J'ai actuellement à Bastille. Vous voyez, c'est ici la Bastille. Et la brocante, elle est là-bas. Donc on va arrêter d'y aller, on va voir ce qu'on trouvait à ce là-bas. Ici, il y a le soleil. C'est vous. Bonjour, vous les faites combien les jeux? 10 euros. 10 euros? Ouais. Vous avez que ça ou vous en avez d'autres? Ah non, c'est ça. Ok. Sauf sur le replay, là je peux vous faire à 2 euros. 2 euros? Bah ouais, c'est un truc dans les packs. D'accord. De la Wii. Ok. Derrière la moquette. Ah, ça va. Il n'y a que des boîtes vides. Ah, it's a 40. 40 euros. Que des boîtes vides. Que des boîtes vides. C'est quoi? Non, ici, elles sont vides, c'est pour ça que j'ai mis là. Ok, merci. Qui en veut de ça? Magnifique jeunesse. Faites combien? Qu'est-ce que je vois là? Golden Eye. C'est trop cher pour moi. Bonjour, tu fais combien? Ça dépend lequel. Si je te prends le lot, tu ferais combien de lot? Comme ça pour savoir. Le lot, donne-moi 40. Pas le 40. Bonjour. Ça fait combien un PS1? Je vous la fais à 10 euros. 10 euros. Avec les mallettes, tout ça.
Voilà. Genre, tu fais combien les consoles là? Là, les deux là. Ça pour la pièce. Si je t'apprends deux, tu me fais un prix? 10 euros, franchement, c'est très honnête. J'avais d'autres. Ok, bah oui, j'imagine. J'ai vendu tout ça à 15 euros la pièce, 10, 20. Il y a. Monsieur, j'ai comme ça. Et c'est parti pour le compte-rendu de Vidgrenier qui se situait à Bastille. Et j'ai tout raflé. Franchement, c'était la totale. Donc dans ce vide-grenier, c'était assez cher au niveau des prix. Mais quand on cherche, on trouve. Il suffit juste de chercher. Donc nous allons commencer par la première chose que j'ai récupérée. C'est un lot de jeux avec une console de la marque de Sony. C'est bien sûr la PS1. Donc je rentre encore une nouvelle PS1. Donc j'en avais rentré deux PS1 il y a quelques temps. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins d'un mois je crois. Elle fonctionnait, coup de peau. Bon, il y en avait une qui manquait juste le capot, mais heureusement, elle fonctionne très très bien. Et celle-ci, c'est de même, je l'ai testée, elle fonctionne super bien. Donc, il y avait cette console, pas de jeu dedans, malheureusement. Hein. Et comme vous pouvez le voir, encore une fois, j'ai une console de vide-grenier qui est bien jaunie. Donc ça, c'est facile à retirer avec du Retro Bright. C'est hyper facile à faire. Donc, il y a deux cartes mémoire non officielles, donc une jaune. De la marque, ah, attendez, on va savoir de suite. Non, il n'y a même pas de marque en fait. C'est une carte mémoire d'une sous-marque hein, jaune. Une autre de la même sous-marque rouge. Nous avons la console. Nous avions deux manettes, mais bon, les manettes, elle me les a données parce que en fait, elles étaient éclatées au sol. Les manettes, et en plus, c'était des sous-marques Big Bench, je ne sais plus quelle marque. Et par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a aussi la manette aussi jaunie que la console. Donc, c'est super. La console, elle est jaune et elle est de la même couleur que la manette. Regardez, ça semble bien. Bon, je pense que la manette est beaucoup plus jaune que la console en fait. Hein. Je pense qu'elle a dû bien bronzer. Elle a dû bronzer au soleil. Donc il y avait deux manettes non officielles transparentes. Donc je vous les présente pas, ça sert à rien. Et puis de toute façon, les joysticks sont éclatés. Il me les a donné. Et avec ça, il m'a aussi donné ceci. Cette démo de PlayStation 1, donc ça c'est pas ouf, mais ce qui est bien, c'est qu'à l'arrière il y a une jaquette de Crash Bandicoot 3, donc en multilangue. Donc ça c'est très bien parce que j'ai le jeu en loose, donc il me restera plus qu'à récupérer la jaquette avant et la notice et j'aurai complété un jeu. Et il y a aussi un autre jeu qui m'a donné avec la console, c'est le jeu Les 24 heures du Mans. Bon, c'est un classique, hein, ça vaut que dalle, mais ça fait toujours plaisir de rentrer ça. Donc il n'y a pas la notice. C'est un best-of, hein, comme vous pouvez le voir, hein, c'est marqué dessus. C'est un jeu très classique à trouver, hein, ça vaut que dalle. Moins 5 euros, même 2 euros, hein, je vous le dis, ça vaut que dalle. Donc il y a la jaquette arrière, la jaquette avant et le CD à l'intérieur. Donc tout ça pour la somme de 10 euros. Et j'avais oublié l'alimentation de la console, il manquera juste le câble, le Péritel que je ne possède déjà. Continuez avec un lot de jeux PlayStation 1. Et on va commencer par le jeu Rally Cross. Donc c'était un jeu de voiture, comme vous pouvez le voir, hein. on le voit je pense, assez bien comme ça. Donc c'est en version petite boîte noire hein, officielle, puisque vous voyez, il y a le petit sticker, l'hologramme PlayStation, qui signifie bien que c'est un jeu PlayStation officiel, et une boîte officielle aussi. Il y a un tailleur, bien sûr, hop, le CD qui se barre en sucette et qui est en parfait état, bon, quelques empreintes et des légères rayures, mais bon, ça reste nickel pour un jeu PlayStation. Et surtout, il y a la notice, donc ça c'est très bien pour la collection de jeux PlayStation. Et je récupère aussi le jeu Wipeout 2097. Donc on a encore un peu le temps avant d'arriver à 2097. Donc là on est en 2024, donc je vous laisse compter combien ça fait. C'est un jeu de course futuriste, hein, comme vous pouvez le voir. C'est pas un de mes jeux préférés, mais je le voulais quand même dans la collection. Donc il est en version Black Label. Il n'y a pas le logo PlayStation en dessous noir, là, ici. Il y a, bien sûr, la notice en français, en anglais et en allemand. Et le CD est bien présent à l'intérieur.
Donc vous pouvez constater à l'arrière qu'aussi il est en multilingue le jeu. La personne qui m'a vendu les deux jeux PlayStation 1 m'a sorti un autre jeu. Bon, ça reste du sport, mais celui-là il est quand même pas commun puisque c'est le Total NBA 97. Regardez-moi ça, avec une texture de ballon de basket. Franchement, ça c'est super, j'adorais ce jeu. Je le voyais beaucoup à l'époque, mais je ne l'achetais jamais parce que je ne suis pas hyper fan de jeux de sport. Alors là, c'est une édition un peu spéciale, c'est que vous voyez, c'est une boîte cartonnée avec un morceau de ballon de basket, hein, tout simplement, un imprimé de ballon de basket. Hein. C'est un total relief, vous pouvez le voir hein, si vous regardez bien. Donc à l'intérieur, ça s'ouvre comme ceci, hop, c'est vraiment tout cartonné. Et à l'intérieur, ça s'ouvre comme cela. Vous voyez, c'est juste magnifique. C'est l'un des jeux de basket sur PlayStation qui est le plus magnifique de la collection. Franchement, regardez-moi ça. Même le CD est en forme de ballon de basket. Et je crois que le CD est même pas rayé. C'est juste de la poussière. Ouais, il y a juste de la poussière. Franchement, il est nickel. Et à l'intérieur, vous voyez comment c'est fait. C'est un peu granuleux. Vous voyez, c'est super. J'ai adoré ce jeu. Je le voyais beaucoup à l'époque. Franchement, je suis très content d'avoir rentré ce petit jeu de basket. Alors, je ne suis pas trop fan à la base de jeu de basket. Ça, au moins, ça rentre dans la collection. Au total, j'ai payé 13€ pour ces 3 jeux PlayStation au lieu de 15€. Donc, j'ai réussi à gratter 2€. Je récupère aussi un jeu en cartouche. C'est un jeu cartouche NES. C'est le jeu Isolate Warrior sur la NES. Alors ça, vous avez pu le voir en vidéo. Par contre, ouais, il y a dû y avoir un anti-vol qui a été mis dessus, je pense. Ou alors une étiquette de prix, je ne sais pas du tout. Dites un commentaire. Donc c'est le Isolate Warrior. Il en voulait 10€. J'ai réussi quand même à le faire baisser à 5€ parce qu'on est dans une brocante. Hein. Et puis c'est comme ça. Hein. Et il a accepté en même temps. Donc à l'arrière, il y a juste une petite étiquette à enlever. Et avec de l'essence F, il y aura juste un peu de colle à retirer sur la cartouche avant. Donc je ne sais pas si c'était un anti-vol. Mais en tout cas, je suis très content d'avoir récupéré ce jeu dans la collection de jeux NES. Sur un stand, je récupère un lot de deux jeux PlayStation 4. Et ces deux jeux PlayStation 4, vous allez voir, c'est un peu spécial. C'est le Hogwarts Legacy Edition Deluxe. Alors, l'édition Deluxe qui comprend pas mal de choses. Ça comprend le jeu de base, Hippogriff d'Onyx, recette de la potion de Félix Félicie et les packs de magie noire. Donc, je pense qu'il doit y avoir aussi d'autres choses donc, à voir. Je ne sais pas du tout. Il y avait celui-là et il y avait encore un autre Hogwarts Legacy. Donc, j'ai deux Hogwarts Legacy sur PlayStation 4. Moi qui voulais le faire en Let's Play, du coup, là, je vais pouvoir le faire en Let's Play et même échanger, voire revendre carrément le jeu parce que c'est une version de Deluxe Edition et la version de Deluxe Edition, ça cote. Donc, ce lot de jeux, je l'ai payé pour 25€ les deux, carrément. 25€ les deux jeux PlayStation. Regardez, en plus, ils sont encore neufs sous blister. Les mecs, je pense qu'ils ne savaient pas du tout ce qu'ils vendaient, puisque franchement, 25€ et 2, je dis oui, parce que je peux revendre celui-là, et ça me rembourse tout le lot. Donc, très content d'avoir récupéré ces deux jeux PlayStation. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le commentaire, c'est tout bon, allez-vous, ciao.